rhythms back and what flows. Watch your back, come on slow. Maximum balls, ain't no time to blind man. Know my ting from here to Thailand. You man got that gun off my man, so you man got that gun on finance. Like what's this rent? Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids bantam. Yo. I've been on 2233, how you been holding me? Either you stupid, you dumb. La T-Mobile Arena de Vegas, c'est un endroit rêvé pour un combat, non? Oui, car quoi qu'il arrive, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. La frappe est bloquée par Dillashaw. Le low kick brutal a bien claqué. Il le touche avec ce droit. Un gros coup de pied. Au prochain. Les frappes se multiplient. Il le touche. Échange de coups. Son overhand se passe tout seul. Un coup qui touche. Il place un joli low kick. Superbe coup de pied à la tête. Trop direct. Des coups fleuves. On va voir comment son adversaire va s'en remettre. Son coup de pied de contre est raté. Oh, droit au corps, qu'est-ce qu'il fait? Et ça commence à chanter le nom de DJ Dillashaw. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Il se prend ce coup en pleine tête. Beaucoup de points par Dillashaw. Il assure sa position pour frapper en ground and pound. Le coup de pied, voilà, c'est dans la boîte. Et sur l'adversaire aussi. Et le kick qui touche les jambes. C'est une machine à découper à distance. Et DJ Dillashaw qui place une frappe. Il a souvent gagné avec ses poings d'ailleurs. Très beau low kick par Dillashaw. Et ça touche. Les coups se suivent et se redéploient. Il a envoyé au sol. Revoyons ensemble quelques moments clés de ce round. Bruce Buffer va annoncer la décision. Allez. Back on my bullshit. Back to back on my bullshit. Matter of fact, that was bullshit. I'm